Bienvenue si c'est la première fois que vous êtes avec nous. Bienvenue aussi à vous qui vous connectez en ligne avec nous. C'est une joie d'être ensemble et on veut déclarer, démarrer ce temps en déclarant que nous sommes venus le rencontrer, l'éternel Dieu. Oui, je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Rien ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort. Hey! Est-ce qu'il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes qui a célébré ce Dieu fort, ce Dieu puissant? Seigneur, nous plaçons dans toi. C'est pour toi que nous sommes là. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie. Le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Alors disons-lui, je suis venu. Je suis venu pour te rencontrer, te proclamer. Tu es fort et puissant, il ne peut te résister, sois glorifié. Tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Les amis, l'amour de Dieu n'est jamais trop loin, son bras n'est pas trop court pour secourir. Et la Bible déclare que rien ne peut te séparer de son amour. Rien ne peut me séparer de ton
amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur aux cieux. Embrassons ensemble cette réalité. Je sais que rien ne peut me séparer, ni la mort, ni la vie, l'amour, ni les circonstances. Tu es glorifié, le Dieu très
l'éternité. Oui, tu es saint, à jamais tu es saint. Les anges t'adorent, nous t'adorons, toi le Dieu trois fois saint. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Désormais, à jamais tu seras. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. J'entends encore une dernière fois, à jamais tu seras. Les hommes démarrent. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Ton nom seul est digne de toute louange, Jésus, 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 Jésus. Toi dont le nom est le plus grand. Nous fléchissons le genou, nous nous inclinons, nous nous prosternons. Peut-être pas physiquement, s'il y en a qui veulent le faire, vous pouvez le faire en toute liberté, toi aussi qui es derrière ton écran. Mais encore une fois, j'aime bien nous rappeler que nous ne répondons pas à de la musique ou à des chants, nous répondons à la présence du Dieu trois fois saint, au Dieu créateur du ciel et de la terre, celui qui donne la vie. Alors continuons de déverser notre louange, notre reconnaissance. Alors je lève les mains, je te loue encore et encore, car
chante Alléluia, Alléluia. Même si c'est tout ce que j'ai, Seigneur, je veux faire comme le roi David, qui nous dit, psaume 34, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors lève-toi mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie. Car il y a en toi comme un lion rugissant, lève-toi et loue ton Dieu. Oui, et toi mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie. Car il y a en toi comme un lion rugissant, lève-toi et loue ton Dieu. Oh. Et toi mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie. Car il y a en toi comme un lion rugissant, alors lève-toi et loue ton Dieu. Oh, 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 oh. Et toi mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie. Car il y a en toi comme un lion rugissant, alors lève-toi et loue ton Dieu. Je me suis rendu compte que
y a plusieurs chants qui s'enchaînaient et on disait beaucoup, et vous allez voir dans le prochain chant, on va encore prendre un dernier chant tous ensemble. Là, on vient de chanter « Je te loue encore et encore ». Et le chant d'avant, en fait, il nous rappelait que c'était toutes les générations qui ont entonné avant nous, avant vous, avant nous. Ils chantaient déjà. Et puis la génération d'après, ils continueront de chanter le cantique de l'agneau. Et il y a cette notion de « encore et encore ». J'étais là, Pierre, quand même, ça se répète un peu beaucoup dans ta songlist, là. Mais je sentais le Saint-Esprit me dire qu'il y en avait plusieurs d'entre nous qui avaient besoin de vivre quelque chose dans la persévérance de la louange, dans le fait d'ouvrir nos bouches, dans le fait d'oser peut-être sortir des mélodies dont on n'a peut-être pas l'habitude. On est là, on a le voisin à côté, on n'ose pas trop. Là, on est dans une salle, il y a quand même un peu de volume, vous pouvez oser. N'hésitez pas. Mais je crois que le Seigneur veut faire plusieurs, des choses bien particulières dans plusieurs vies en cette journée. Alors continuons de le louer, on va prendre ce dernier chant qui dit « J'essaierai encore ». Nos mots sont imparfaits, nos façons de faire sont imparfaites. Mais il est Dieu et il règne de toute éternité. Alors on continuera de le louer, on continuera de le chanter, on continuera de répondre, encore une fois, pas de la musique, mais à sa présence. Amen. Amen. Sur le sable, croyant qu'il peut vider la mer, je me tiens devant l'inexprimable, l'amour plus grand que l'univers. Tu es Dieu éternel et Je t'aime.
que ma pensée ne peut cerner. Mes mots s'épuisent à te saisir. Mais quand je contemple ta beauté, mon cœur ne peut les contenir. Non, 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 non. Fait une différence parce que le chant du peuple de Dieu fait une différence parce que ton chant qui est unique, irremplaçable fait une différence. Nous te louerons Seigneur encore et encore, je te louerai Seigneur encore et encore. Amen. Wow. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Dis à ton voisin, c'est bon d'être ici. Aïe, aïe, aïe. Vous savez quoi, l'autre jour, j'étais en train de réfléchir un petit peu à une conversation qu'on avait eue avec ma femme. On était en voiture et je me rappelle, on conduisait. Et je ne sais plus si c'était moi ou ma femme qui conduisait. Et puis à un moment donné, elle dit, ah, je me rappelle de cet endroit. Je dis, ah ouais, t'étais venu ici, quand est-ce que t'es venu? J'étais passé là avec mon parrain il y a 6 ans. Et quand j'avais 6 ans, je dis, quand t'avais 6 ans? Ouais, parce qu'il faut savoir que, en fait, ma femme, elle a une mémoire colossale. Enfin, moi, vraiment, je suis admiratif de la mémoire de ma femme. Encore plus que ça, son sens de l'orientation. Elle peut se repérer n'importe où. Mais moi, c'est vraiment pas le cas. En fait, j'aimerais vous amener à une période, une époque. Il y a une époque dans notre existence, vous savez, avant 2007, avant l'arrivée du smartphone. Vous vous rappelez un petit peu? Il ne se rappelle plus déjà. Vous vous rappelez ou pas comment c'était? Est-ce que vous vous rappelez tout ce qu'on avait à faire quand on avait un rendez-vous sur Paris? Je vais vous dire un petit peu moi ce que je faisais. Quand j'avais rendez-vous sur Paris, ce que je faisais, c'est que donc on prenait un rendez-vous à tel endroit, tel métro, etc. On me donnait une adresse. Moi, je n'avais pas Internet à l'époque. Tout le monde n'avait pas Internet. Oui, tout le monde n'avait pas Internet. Et ce que je faisais, c'est que je prenais les pages jaunes de ma mère. Oui, je sais. J'ouvrais et dans les pages centrales, il y avait des cartes. Et les cartes de tous les arrondissements de Paris. Je localisais le métro en question dans lequel il fallait aller. Il fallait sortir de ce métro-là. La rue. Et j'imaginais le trajet, ah, peut-être que je passerais par là, je tournerais à gauche, etc. Je mémorisais ça, j'allais, je prenais le métro, arrivé à la station de métro, maintenant je cherchais le fameux plan de la ville. Vous vous rappelez de ça ou pas? Alors qui se rappelle de cette époque-là? Ah ouais, ouais, ça a changé maintenant. Hein.
Et vous rappelez de ce stress-là quand on était devant le plan de la ville, parce qu'on avait l'adresse, on avait l'étage, on avait le nom de la personne, etc., etc. Mais ça ne nous servait à rien du tout si on ne l'avait pas localisé, la petite pastille, vous êtes ici. Vous vous rappelez ou pas? Parce que peu importe toutes les informations que tu peux avoir, si tu n'as pas de repères, eh bien finalement, tu es perdu. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce thème. Dis, s'il te plaît, avec moi, j'ai besoin de repères. Est-ce que vraiment tu as besoin de repères? Réalise que des fois dans la vie, on peut être perdu, pas parce qu'on n'a pas certaines informations qui sont vraiment importantes, mais parce qu'on n'a pas le truc dont on a besoin pour nous débloquer, pour nous décoincer de cette situation dans laquelle on se trouve. J'ai besoin de repères. On va faire quelque chose aujourd'hui. On va revisiter en tout cas l'histoire de Marie, Marthe et Lazare. Jean chapitre 11. À partir du verset 1 jusqu'au verset 8, je lis pour vous. Il y avait un malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Marie était celle qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. » Amen. « Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marie, Marthe et Lazare. Et quand il eut appris que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours supplémentaires à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Et les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs, tout récemment cherchaient à te lapider, et toi tu y retournes. » C'est grave intéressant de relire cette histoire parce qu'elle nous propulse à un moment important pour Marie et Marthe. Parce que Marie et Marthe ont vécu une succession de pertes de repères. Et permettez-moi d'imaginer un petit peu, parce que moi je suis quelqu'un qui aime bien, qui est créatif, donc j'aime bien imaginer. Au verset 1er, d'ailleurs tout le restant du chapitre, on n'entend absolument pas parler des parents. Alors, la première perte de repère que j'imagine que Marie et Marthe ont dû subir, c'est finalement l'absence de leurs parents. Ils n'ont pas ce repère important, en fait. Alors, on ne sait pas si, quelles sont les circonstances, peut-être, qu'ils ont dû rencontrer par rapport à leurs parents. Mais en tout cas, ils ne sont pas là. Ils sont absents du récit. Ils doivent faire face à cette situation seule. La deuxième perte de repère que j'ai identifiée, c'est le fait que Marie, Marthe et Lazare étaient des amis VIP de Jésus. C'était des amis proches. Et en tant qu'amis proches, tu comptes sur cette amitié. Et en fait, Marie et Marthe avaient misé sur cette amitié. Ils se sont dit, en fait, Jésus, ce n'est pas n'importe qui. En plus, il a un background, il a guéri v'là les malades, les lépreux, etc., etc. Je suis sûr qu'il va intervenir auprès de notre frère. C'est certainement ce qu'elles se disaient. Mais voilà ce repère de l'amitié qu'elles avaient, auquel elles pouvaient s'accrocher. Finalement, même celui-ci n'est pas quelque chose qui va être concluant parce que elles envoient des serviteurs aller chercher Jésus. C'est un peu comme quand on envoie un WhatsApp à quelqu'un. Tu sais, tu envoies un WhatsApp à un pote, tu regardes, tu attends un signal comme quoi ça a été reçu, les 2 flèches bleues là. Et ensuite, si tu vois les 2 flèches bleues mais qui ne répond pas, alors là tu es vénère. Ça vous est déjà jamais arrivé? Moi, ça m'arrive. Non, en fait, les serviteurs, dites-vous, ils ont mis 1 jour pour aller trouver Jésus. 1 jour de trajet. Ils arrivent, ils disent la nouvelle, Jésus entend, il dit « Ok ». Il reste là pendant 2 jours. Du coup, j'imagine que les serviteurs ont dû dire « Bon, bah, tu... Non, bon, ben, on y va. » Et ils sont retournés, bredouilles, pendant 1 jour,
ils retournent et pour eux, ils y sont allés pour rien. Et j'imagine Marie et Marthe en les voyant arriver, en se disant « Attends, Marie, viens, viens, je crois qu'ils arrivent. Ils sont… » Attends, il est où Jésus ? Il les a mis en lieu normal. En plus, dans le texte, on voit plus tard qu'il va dire « Je me réjouis, j'étais pas là. » Jésus, il a pris son temps. Mais vous savez quoi ? J'ai fait mes recherches et le mot « Lazare » a une signification. En fait, « Lazare » en grec signifie « Dieu a secouru » au passé. C'est super intéressant, mais « Dieu a secouru », ça ne veut pas dire que Dieu a accouru. Non, non, il a pris son temps. Jésus a pris son temps. La troisième perte de repère que j'ai identifiée, c'est justement le traumatisme, le choc. Imaginez-vous, hein, s'il est resté 2 jours sur place, Jésus, et effectivement, les serviteurs ont mis 1 jour à l'aller, 1 jour retour, ça fait bien 4 jours depuis qu'il est mort. Mais si ça fait 4 jours depuis qu'il est mort, ça veut dire que le moment où les serviteurs sont partis, peu de temps après, dans la même journée, peut-être même dans l'heure, Lazare est décédé. Alors j'imagine que cette perte a dû être vraiment fulgurante, ça a dû les frapper. Marie et Marthe, j'imagine, elles étaient là, bon on a une chance, on envoie nos serviteurs, allez-y, hein. Et vous vous dépêchez s'il vous plaît, hein. allez-y, on a besoin que Jésus arrive. Ça se trouve, 1 heure n'est pas passée. Lazare ? Je crois qu'il ne respire plus. Imaginez-vous le traumatisme. Donc, ils n'avaient pas le soutien des parents. Ce repère-là, niette. L'amitié qu'elles entretenaient avec Jésus, celui qui venait de temps en temps à Béthanie et dormir chez eux pour se reposer. Même ça, ce repère-là, elles ne pouvaient pas se repérer dans cette tourmente. Elles n'avaient pas de réconfort. Elles se disaient, Jésus, il est guérisseur. Il peut guérir les malades. Mais le malade s'est transformé en mort. Il est mort. Un gros sentiment de solitude a dû les envahir, d'abandon peut-être. Elles ont dû se dire, peut-être comme certaines personnes ici se disent, mais en fait, Jésus, qu'est-ce que tu fais ? La seule figure paternelle que finalement les 2 sœurs avaient, c'était leur frère. Et ce frère n'était plus. Et il y a autre chose encore. Elles avaient un plan. En déterminant que Jésus était celui qui allait résoudre leurs problèmes, elles avaient développé une stratégie qui tenait la route. Elles avaient de quoi s'appuyer sur pour dire que cette stratégie allait fonctionner. Parce qu'elles avaient entendu parler certainement des miracles, elles avaient certainement déjà vu faire des miracles. Mais leur plan a échoué. Vous savez, des fois, et ça c'est une autre perte de repère, elles s'appuyaient sur le fait qu'elles avaient un plan, mais ce plan a échoué. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir une stratégie, un plan, ça tient la route, c'est carré, il n'y a pas de souci. Mais en fin de compte, rien ne se passe comme vous l'aviez prévu. Ça vous est déjà arrivé ? Ouais. C'est arrivé qu'à 4 personnes, non, sérieux ? Ça vous est déjà arrivé ? Alors vous me rassurez. En fait, souvent, on choisit la manière dont Dieu doit venir nous délivrer dans notre situation ou intervenir dans notre vie. Seigneur, tu fais ça comme si, tu fais ça comme ça. Mais attention, hein, entre telle date et telle date, il faut vraiment que tu me donnes une réponse, parce que sinon ça ne va pas... Et puis, j'aimerais bien que tu passes par telle personne, parce que cette personne-là, je ne peux pas la saquer. Vous voyez ce que je veux dire ? Des fois, on est grave exigeant, comme si on avait un pouvoir pour faire plier. Vous voyez ce que je veux dire ? Et des fois, on oublie dans notre familiarité, dans notre manière de tutoyer, de nous familiariser. Vous voyez ce que je veux dire par là ? C'est qu'on se familiarise avec Dieu, et il est juste Dieu, quoi. Genre, comme si c'était normal, c'était, ouais, on trouve Dieu dans tous les coins de rue. En fait, en réalité, Dieu est un Dieu
à respecter comme tel. La Bible nous fait savoir qu'il est souverain. Ça signifie qu'il n'a pas de compte à rendre. Il fait ce qu'il veut, quand il veut. Et quand il décide d'ouvrir une porte, personne ne peut la fermer. Et quand il décide de la fermer, de fermer une porte, personne ne peut l'ouvrir, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Et ce Dieu de miséricorde nous rappelle qu'il existe un autre sentier, une autre voie, un autre plan que le tien. En fait, il dit dans Ésaïe 55:8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées. » Alléluia. « Et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. » Dis à quelqu'un, il y a un autre plan qui existe. Alléluia. Vous savez, des fois, Dieu permet qu'on connaisse des moments où il y a certaines pertes de repères qui arrivent dans nos vies. On perd nos repères ici, on perd nos repères là. Peut-être que tu te dis, je vais faire telle étude, ensuite j'aurai tel emploi, ensuite j'aurai telle maison, après le mari ou la femme va arriver à cet instant-là, après j'aurai deux enfants et après j'aurai une belle voiture et en fait ce sera trop frais. Et j'en suis sûr que je viens de décrire le rêve de quelqu'un ici. Mais en réalité, Dieu des fois nous permet en fait des pertes de repères. On n'a pas les étapes qu'on avait jalonnées sur dans notre vie, on ne les a pas. Et à ce moment-là, on panique, on perd pied parce qu'on aime le contrôle. On aime savoir qu'on a les balises qu'on avait laissées sur le chemin, mais en fait là, quand on ne les voit plus, on est en panique. Lorsque je perds mes repères en réalité, Dieu veut que tu réalises que quand tu perds tes repères, tu peux toujours saisir cette opportunité de réaliser que Dieu a un plan, qu'il n'est donc pas obligé de faire ce que tu veux, mais il fait quelque chose qui est fidèle à sa volonté. En fait, avant toi, Dieu avait un plan. Et des fois, il va te donner ce que tu demandes, pas parce que c'est toi qui l'as demandé, mais parce que ça ne rentre pas en contradiction avec son plan à lui. Alléluia. Donc si tu as une prière ou quelque chose, une requête à faire, assure-toi que ce que tu demandes est dans la volonté de Dieu. Mais c'est comme ces personnes-là, en fait, qui veulent voler le mari de quelqu'un. Ensuite, demandent, Seigneur, viens, arrête de mettre Seigneur dans cette affaire. Tu sais déjà que ce n'est pas bon, laisse-le tranquille. Deuxième truc, je peux enfin réaliser si, lorsque je perds mes repères, je peux réaliser que mon jugement n'est pas fiable à 100%. Également, lorsque je perds mes repères, je peux réaliser que je peux m'en remettre totalement à Dieu. Je peux m'en remettre totalement à Dieu. En fait, nos repères, souvent, qu'on met dans nos vies, qu'on établit dans nos vies, c'est des choses qui ne sont pas forcément, qui peuvent changer à tout moment. Voilà pourquoi, en fait, on ne peut pas mettre toute notre foi dans ces repères-là. Mais on va voir en quoi on peut mettre notre foi. Est-ce que tu peux mettre le slide d'après, s'il te plaît? Merci. Maintenant, donc, il est au courant. Jésus est au courant de la situation. OK? Donc, il est au courant et il sait, parce qu'il va le dire à ses disciples, Lazare est mort. Donc, il va donc à Béthanie, il se dirige vers Béthanie, il se dirige vers la maison de Marie, Marthe et Lazare, et il est presque arrivé quand Marthe apprend qu'il est à l'approche. Elle ne dit rien à personne, elle ne prévient même pas Marie, personne ne sait ce qu'elle va faire, elle court, elle se présente devant Jésus, elle dit « Si tu avais été là, il ne serait pas mort !» Mais tu sais quoi? Si tu pries, fais ça tout de suite, tu peux te rattraper. Et je sais que Dieu va t'entendre, donc c'est parfait. Elle rentre dans une conversation comme ça, en fait, avec Jésus. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans cette conversation, on va comprendre plusieurs choses. On va comprendre qu'elle a une foi. Finalement, elle a une foi. Mais Jésus veut l'amener progressivement à réaliser que c'est lui son repère. Mais elle ne le saisit pas tout de suite. Alors elle va arriver, elle discute avec lui et on comprend au travers de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, Lazare signifie Dieu a secouru et on imagine en fait ce qui s'est passé. Certainement en fait la maman peut-être qu'elle avait, en tout cas ce qu'on sait c'est que les circonstances de la naissance de Lazare étaient compliquées.
compliqué, très compliqué, peut-être, permettez-moi d'imaginer, mais peut-être que la maman de Lazare avait une grossesse difficile et que c'est dans les douleurs qu'elle a enfanté, mais les douleurs peut-être anormales. Et peut-être que le père de Lazare était en panique et pendant que les femmes étaient avec son épouse en train de gérer la situation, il devait faire les 100 pas dans l'autre pièce de chez eux et il devait se dire « Seigneur, s'il te plaît, agis, agis parce que là, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du déroulement, de la finalité de cette situation. Alors s'il te plaît, interviens. » Et j'imagine la sage-femme sortir de l'autre pièce et de crier « Maître, 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 c'est un fils. » Et j'imagine le père dire « Mais tout va bien, ma femme, oui, tout va bien, mais c'est un fils. Oh, merci mon Dieu, mon fils s'appellera Lazare. Dieu a secouru. » En fait, le nom de Lazare avait toute une histoire. Le nom de Lazare, c'est un témoignage. Et Marthe, quand elle parle à Jésus, quand elle l'alpague sur le chemin, en fait, quand elle parle à Jésus, elle a cette foi que Dieu a fait. Avec cette foi que Dieu a fait, et ce contexte de vie, imaginez-vous que dans la famille, quand ils appelaient Lazare, ils appelaient un prénom qui était compréhensible au niveau de sa signification pour elle. C'est genre, « Hé, Dieu a secouru, viens manger !» Vous réalisez ou pas? C'est que constamment dans le quotidien, il y avait un rappel d'une histoire où Dieu avait agi. Donc elle savait que Dieu avait fait dans le passé. Et plus tard, quand elle discute avec Jésus, elle poursuit la conversation. Et il lui fait comprendre, elle lui fait cette requête. Et en fait, il lui dit, mais Jésus lui dit que Lazare va ressusciter. Et là, elle lui dit, mais oui, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Le dernier jour, c'est prévu, c'est les prophéties, etc. Oui, au dernier jour, il va ressusciter. Et ensuite, il lui dit, au verset 24, il lui dit, qu'en fait, non, il va ressusciter, en fait. Il est en train de lui dire, en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est vraiment apporter quelque chose de puissant, une révélation supérieure, quelque chose qu'elle n'avait pas saisi, quelque chose qu'elle ne possédait pas. Elle était OK avec ce que Dieu a fait. Elle avait mentionné maintenant qu'au dernier jour, ils vont ressusciter. Elle sait ce que Dieu va faire. Mais le problème, c'est qu'elle ne sait pas ce que Dieu fait aujourd'hui. Et le nœud du problème est là. Parce que quand on a un souci, quand on a une perte de repère, c'est que tout simplement, on ne sait pas ce que Dieu fait aujourd'hui. Est-ce que ça est déjà arrivé à quelqu'un, tu es dans une situation et tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire parce que tu essayes de relier les points mais il n'y a pas de sens. Tu as vu Dieu agir là, tu as vu que Dieu est à l'œuvre là-bas, mais dans ta vie, dans ta situation, tu n'arrives pas à comprendre et tu dis mais Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Ça t'est déjà arrivé? Peut-être que quelqu'un qui m'entend maintenant, tu vis cette situation. Et tu viens, mais en même temps, tu te poses des questions, Seigneur, je ne comprends rien du tout. Il n'y a pas de sens. Il était là le problème. Marthe était donc un petit peu coincée. Vous savez, notre foi ne doit pas se reposer uniquement sur ce que Dieu a fait ou sur ce qu'il va faire. C'est super important et on va essayer de le comprendre dans une illustration, mais juste avant, je vais vous parler d'une petite anecdote. Quand j'étais ado, il faut savoir que ma mère, elle faisait le repas, mais un repas copieux, local. Alors moi, je suis haïtien, donc le repas local, c'était quelque chose. C'était du riz, djonjon, c'était des légumes. Banane pesée, griot, excusez-moi, je voyais les images comme ça.
Et puis, en plus de ça, donc ça veut dire que c'est des repas qui prenaient du temps à préparer depuis la veille. Elle laissait mariner la viande, elle nettoyait la viande, elle assaisonnait, elle laissait mariner avec les épices. Vous avez faim? Et donc, moi, c'était pas un jour comme les autres le samedi, parce que, vous savez, la semaine, on mangeait sur le canapé, sur le fauteuil, n'importe quand, même pas en même temps, chacun faisait ce qu'il voulait. Mais le samedi, ma mère, c'était la règle. Elle, quand elle fait à manger, il faut que tout le monde soit autour de la table. Parce qu'elle a pris du temps pour faire à manger et elle veut voir tout le monde autour de la table. Donc on savait qu'on ne pouvait pas manger avant qu'elle ait fini. Donc ça prenait du temps. Midi, elle n'a pas fini. 13h, elle n'a pas fini. 14h, elle n'a pas fini. 15h, ça commence à être prêt. Mais le truc, c'est qu'on a la dalle. On a la dalle et on a soif. Et moi, je me rappelle que quand on était en été, il y avait des boissons qu'on ne pouvait pas toucher jusqu'au samedi. Ouais. Alors, quand t'as un ado, tu vois le cola champagne. Non, c'est une boisson locale. Oui. Tu vois le cola champagne dans le frigidaire, mais tu peux pas toucher ça. Ou alors tu le vois qu'il est pas dans le frigo parce que ça remplit trop le frigo, tu vois, etc. Donc, il est pas au frais. Tu dis, bon, toi, samedi, toi et moi, ça va être une histoire d'amour. Et un jour, ce qui s'est passé, on arrive à ce fameux samedi, il est 15h, ma mère a dit, viens manger. Traduction, venez manger. C'est nul en français, désolé. On arrive, et puis moi, bien sûr, j'ai une règle, je ne bois pas pendant que je mange. Pourquoi? Parce que ça prend toute la place, j'ai besoin de manger vraiment, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je bois à la fin pour vraiment fermer la porte. C'est une stratégie, essayez, vous allez voir, ça marche. Et donc, on arrive, on mange, je mange, je suis content, je mange, etc. Et puis, ce que je fais, c'est que je mets plein de glaçons parce qu'il fait chaud, plein de glaçons dans mon verre et tout ça. Je remplis cola, champagne, je suis content, etc. C'est la fête. Et pendant que je mange vite parce que je sais, ce verre-là, je vais boire. Mais ma sœur, elle avait un autre rituel. Elle se servait, la boisson n'était pas fraîche, mais elle allait au frigo, clac, elle met son verre. Ensuite, elle va manger. Moi, dans ma tête, je me dis, n'importe quoi, tu gâtes la motivation du moment. Moi, j'étais motivé par le verre. Toi, tu ranges le verre dans le frigidaire, je ne comprenais pas. Sauf qu'à la fin du repas, on boit. Une gorgée, ex aequo. Deux gorgées, ex aequo. Trois gorgées, j'ai fini, elle en a plein le verre. J'étais dégoûté. Les glaçons avaient pris toute la place. Et j'avais plus rien. Et vous savez comment c'est les grandes sœurs à ce moment-là? Le grand moment de solitude. Ah. Elle boit. Et puis tu vois, tu voyais pas la pomme d'Adam, mais là tout d'un coup tu la vois, crac, crac. T'imagines comment ça t'aurait fait du bien les gorgées supplémentaires. Et en fait, c'est intéressant parce que je comprends vraiment qu'on ne doit pas s'appuyer sur certaines choses. Des fois, Dieu veut dire ou veut faire des choses avec nous. Il veut que nous puissions avoir des repères, mais pas n'importe quel repère. Et des fois, on choisit certaines choses dans nos vies pour être des repères qui ne devraient jamais l'être. Il y a des personnes qui ont déjà vécu ce moment où Dieu veut faire quelque chose avec vous. Vous avez l'impression que Dieu veut vous donner plus. Mais finalement, vous perdez patience et vous agrippez à plein de choses dans votre parcours. Et finalement, votre vie est remplie de choses qui ne sont pas à la gloire, forcément à la gloire de Dieu. Des choses qui sont censées accélérer le processus, mais en réalité, vous vous rendez compte que ça n'accélère rien du tout. Et vous vous retrouvez en vous demandant, mais est-ce que véritablement, je suis toujours la même personne? En fait, Marthe était dans cette discussion. Et en fait, elle avait une foi pour ce que Dieu a fait. Et elle avait une foi également pour ce que Dieu va faire. Mais là où c'était complexe, là où c'était vraiment problématique, c'était que Jésus est en train de lui dire, j'ai une nouvelle révélation à te donner. J'ai jamais dit ça à personne. Même les disciples,
Ils n'ont même pas entendu ça. C'est un truc, je vais te donner à toi. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? J'ai une révélation. J'ai envie de te donner, mais je ne peux pas. Je ne peux pas te donner cette révélation parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas d'espace pour cette révélation. Vous regardez quand vous regardez le texte, elle sait déjà ce qu'il a fait dans le passé, dans sa famille. Elle connaît les prophéties pour les derniers jours. Et en fait, elle est bloquée. Elle ne peut pas recevoir ce qu'il lui dit. Il lui dit, ton frère va ressusciter. Oui, il va ressusciter au dernier jour, avec les autres. Je suis la résurrection et la vie. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu crois ça, Marthe? Et ensuite, elle répond, oui, je crois que tu es le Fils de Dieu. Celui qui doit venir. Quand j'ai lu ce passage, je me suis demandé, mais attends, ils sont pas raccord là. Ils demandent, est-ce que tu crois que je suis la résurrection et la vie? La solution à ton problème? Ce nouveau degré de révélation? Est-ce que tu es prête à recevoir ça? Elle dit, oui, je sais ce que je savais déjà. Oui, je sais ce que j'avais déjà acquis. Donc, elle n'était pas en mesure de pouvoir saisir la révélation d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui. Tu es peut-être dans un endroit où tu as eu des expériences avec Dieu dans le passé et tu sais pour sûr qu'il va faire des choses. Tu as cette conviction qu'il va faire des choses demain. Mais ton problème, c'est qu'est-ce que Dieu fait maintenant? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui? Et tu n'arrives pas à te connecter. Et j'aimerais te dire qu'une des raisons pour lesquelles, des fois, on a du mal à se connecter, c'est parce qu'il y a des glaçons. C'est-à-dire, et moi j'identifie les glaçons comme des plans, des stratagèmes qu'on a élaborés tout le long de notre parcours pour préserver notre propre plan. Les choses en fait qu'on a décidé de mettre dans nos vies pour préserver notre propre plan. En fait, ces glaçons-là, en fait, ils matérialisent notre impatience. Alors des fois, on a tellement des projets, tellement des choses, on est tellement buté qu'on prend plein de glaçons. En fait, ces glaçons, pour moi, c'est genre le gars à qui tu as dit oui, alors que tu savais très bien qu'il n'était pas bon pour toi. Tu vois, ce boulot, en fait, que tu ne devais pas accepter, c'est un glaçon. Arrête de penser que toutes les choses qui sont dans ta vie sont des bénédictions, parce que certaines d'entre elles ne servent strictement à rien, simplement à te voler ta lucidité dans ce que Dieu essaye de dire ou de faire avec toi. Et aujourd'hui, si j'ai un message pour toi à te dire, il faut enlever les glaçons. Enlève les glaçons de ta vie. Enlève les glaçons de ta vie. Et à mesure que tu acceptes certaines pertes dans ta vie, tu vas commencer à gagner. Dis à ton voisin, enlève les glaçons. J'ai pas entendu. Dis à ton voisin, enlève les glaçons. Alléluia. Vous savez quoi? Vous savez pourquoi c'est intéressant et important d'enlever les glaçons? Parce que avant d'enlever les glaçons, j'étais incapable de voir que j'avais une capacité à recevoir une nouvelle révélation de Dieu. Tant qu'on s'accroche à ces choses qui ne servent à rien, tant qu'on s'accroche à ces choses qui sont normalement temporaires, mais qu'on veut garder absolument, en fait, on se prive la grâce et la joie de recevoir quelque chose de nouveau. Tu as beau prier, tu as beau jeûner, tu as beau demander, supplier Dieu de te donner quelque chose de nouveau. Si tu t'agrippes à des glaçons, tu ne vas jamais pouvoir les recevoir. J'aimerais parler à quelqu'un qui m'entend. Abandonne tes glaçons maintenant. Alléluia. J'aimerais vraiment te dire, il faut abandonner des glaçons. Alors beaucoup de personnes louent Dieu pour toutes les choses qui rentrent dans leur vie. Mais combien sont ceux qui sont prêts à louer Dieu pour les glaçons que tu t'apprêtes à sortir de ta vie? Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Et tu sais quoi? J'ai réalisé que beaucoup de personnes ne franchissent pas le pas. Ils ne veulent pas abandonner ou lâcher certains glaçons qu'ils ont décidé d'introduire dans leur vie parce qu'ils en avaient marre d'attendre. Vous savez, Marthe et Marie étaient en train d'attendre et elles ont échafaudé un plan en disant « C'est quoi? On va accélérer le processus.
Allez-y les gars, va, allez-y. Il ne vient pas, allez le chercher. Mais ces glaçons-là ont servi à rien. J'aimerais dire qu'il y a des glaçons qui ne servent strictement à rien. Il faut t'en séparer. Et si tu t'accroches à ces glaçons, tu sais ce qui se passe? En fait, les glaçons fondent. Et ensuite, la saveur de la boisson est perdue. J'aimerais dire, voilà pourquoi tu te regardes, alléluia, voilà pourquoi tu te regardes dans le miroir les matins, avec toutes les choses que tu fais ou que tu as autorisées dans ta vie, et tu ne te reconnais plus. Tu ne vois plus la joie, tu ne vois plus la paix, tu ne vois plus même la beauté sur ton visage, tu ne la vois plus, parce que tu as laissé juste des glaçons changer le goût et la saveur de ta vie. Mais aujourd'hui, dis à ton voisin, enlève les glaçons. Avec autorité, s'il te plaît, dis à ton voisin, enlève les glaçons. Alléluia, enlève les glaçons. Tu sais quoi? La prochaine fois que tu vas au resto et que le serveur te demande avec ou sans glaçons, réponds-lui, s'il te plaît, pour moi, c'est sans glaçons. Alléluia. Est-ce que je peux avoir un amen à ça? Est-ce que je peux avoir un amen à ça? En fait, j'en ai marre des glaçons, je ne veux plus des glaçons, je ne veux pas avoir un seul glaçon, parce que les glaçons de nos vies nous volent notre joie, nous volent nos délivrances et nous volent l'opportunité de pouvoir accéder à un autre niveau de nos vies. Un dernier point sur ça, j'aimerais vous rappeler quelque chose que j'ai réalisé à un moment de ma vie où je suis allé dans un resto un peu. Quand tu demandes du champagne, ils viennent avec un seau de glaçons dans lequel ils mettent la bouteille de champagne. Parce qu'attention, on ne mélange pas le champagne avec le glaçon. Tu as trop de valeur pour laisser le glaçon ternir ton goût. Tu as trop de valeur. Tu as trop de valeur. Tu as trop de valeur. Si tu sais que tu es le calibre d'un champagne d'exception, alors abandonne les glaçons. Dis encore à ton voisin, abandonne les glaçons. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu sais quoi? Il se peut que Dieu désire faire mourir tes plans afin de révéler les siens. Il veut que tu aies un nouveau repère. Alléluia. Notre foi doit être ancrée, pas sur ce que Dieu a fait ou va faire, mais sur le Dieu qui a fait et qui va faire. Et sur ce même Dieu qui est en train de faire quelque chose aujourd'hui. Écoutez, j'aimerais vous parler maintenant de Marie. Parce que cette Marie, vous la connaissez. C'est celle qu'on lit, dont on lit l'histoire dans Jean chapitre 12, le chapitre d'après. Celle qui adore Dieu, celle qui va au pied de Dieu, qui pleure, qui répand son cœur, qui répand son parfum, qui essuie avec ses cheveux, qui représente sa gloire, mais dit en fait, moi je vais arrêter d'être glorieux devant toi, mais je m'abaisse à tes pieds et je t'adore, alléluia. C'est cette Marie qui est une adoratrice. Y a-t-il une adoratrice, un adorateur dans cette salle qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce qu'en fait, Marie était plus dans l'histoire de Dieu a fait ou comment dire Dieu va faire. Elle était en train de se dire en fait, en réalité, je vis peut-être un des pires moments de ma vie, mais en fait, la personne que je voulais absolument voir au-dessus de tout dans cette terrible épreuve, c'était le Seigneur et il est là. Il est là. Alors, puisqu'il est là, je vais l'adorer. Alléluia. J'aimerais demander à quelqu'un ici, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est prêt, même si tu souffres, à adorer le Seigneur? J'aimerais savoir, y a-t-il des personnes qui sont radicales, suffisamment radicaux pour pouvoir adorer le Seigneur quand même? Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à adorer le Seigneur? Pas par rapport à ce qu'il a fait ou ce qu'il va faire, mais simplement pour ce qu'il est. Ouf. Alléluia. En d'autres termes, Marie était en train de dire, en fait, je ne sais pas trop ce que tu es en train de faire, mais en fait, je sais qui tu es. Alléluia.
En d'autres termes, il était en train de dire, Seigneur, tu es mon inspiration, ce que tu as fait, et aussi ma motivation. Il était en train de dire, tu es mon histoire, Seigneur, mais tu es également mon espoir. Elle était en train de dire, tu es mon chant, tu es mon message, tu es ma danse, tu es mon témoignage, tu es ma vie, tu es mon avocat, tu es mon réconfort, tu es ma bénédiction, tu es ma victoire. Et elle était en train... Ouh, alléluia! Elle était en train d'asseoir le fait, en fin de compte, elle ne sait peut-être pas ce qu'il est en train de faire, mais elle se disait, mais je le connais. Oh, y a-t-il quelqu'un qui le connaît? Oh, alléluia! Peut-être que tu souffres, mais si tu le connais, alors mon Dieu, ça, alléluia, tout va bien. Peut-être que tu souffres, mais est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Parce que si tu le connais, si tu sais qui il est pour toi, c'est la chose la plus importante. Parce que dans ta souffrance, il devient ton repère. Dans ta souffrance, il devient ton point d'ancrage. Peut-être que tu ne sais pas tout, mais tu n'es pas censé tout savoir. En fait, mais tu es censé développer ta relation avec ton Jésus. Dis à quelqu'un, je veux mon Jésus. Alléluia. L'adoration ouvre la voie vers une nouvelle révélation. En fait, Jésus-Christ, à ce moment-là, écoutez ça. Marthe, dans son déplacement, quand elle a parlé avec lui, il n'a pas bougé. La Bible dit qu'il est resté à l'endroit où il avait parlé à Marthe. Mais quand Marie va voir Jésus, elle se répand devant lui. Elle commence pareil que Marthe, mais ensuite elle coupe court et elle se met à pleurer et à adorer le Seigneur dans une attitude, une posture d'adoration. Et à ce moment-là, Jésus est touché. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, même si tu es dans une épreuve, même si tu souffres et tu n'as plus de repères, tu te sens absolument perdu, tu peux quand même toucher Jésus. Tu n'es pas disqualifié parce que tu souffres. Non, 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 non. Parce qu'en venant à Jésus, tu viens à ton repère. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Lorsque Marie va adorer, lorsqu'elle va adorer, elle provoque les larmes de Jésus. Est-ce que tu savais que si Jésus a pleuré, c'est parce que l'adoration de Marie l'a connecté à lui? Il s'est senti touché par elle. Alléluia. Il pleure avec elle. Les gens voient dans l'émotion de Jésus juste de l'émotion. Mais quand on étudie bien le texte, on voit que dans le verset 33 et 38, il est dit que Jésus frémit en son esprit. Mais ça veut dire quoi, frémit en son esprit? J'ai cherché, et le mot grec du mot frémir, c'est embrimaomai. Et embri maomai signifie une recommandation sévère, s'irriter, frémir. En tout cas, il a été traduit par recommandation sévère, s'irriter et frémir. Et la définition d'embri maomai, c'est donner un sérieux avertissement. En fait, Jésus-Christ, il était vénère, il était énervé. Et en fait, en frémissant son esprit, il a réglé des choses dans l'esprit. Alléluia! En fait, parce que ça signifie donner un sérieux avertissement, menacer pour enjoindre, sommer, commander, dicter, ordonner, exiger. Et à quatre reprises, ce mot est utilisé dans le Nouveau Testament. Et à chaque fois, Jésus s'oppose à un esprit qui s'oppose à sa volonté. Donc en fait, lorsque Jésus était apparemment en train d'être émotif, en réalité, il était en train de combattre pour accomplir sa mission. Même si tu crois que Jésus ne fait rien et est incapable dans ta situation, sache que notre Jésus n'est pas simplement un bébé dans une crèche, il n'est pas simplement un agneau qui se laisse tuer, mais il est également le lion de la tribu de Juda qui sait rugir. Et notre Jésus a combattu. Marie, en ça, a trouvé un nouveau repère. Ce qui manquait aux sœurs, en fait, était la révélation de ce que Dieu veut maintenant.
de ce qu'il est en train de faire maintenant. En fait, ce que Jésus voulait faire, il voulait communiquer une foi. Une foi qui était basée sur une nouvelle révélation. Il voulait apporter quelque chose de plus au travers du miracle qu'il allait opérer, la résurrection de Lazare. La foi que Marie va placer dans la révélation l'ancre à nouveau et constitue en soi un repère fiable. Que ce soit dans son passé, dans sa promesse ou dans son présent, elle vit maintenant dans la puissance de la révélation qu'elle a reçue. Et tant qu'elle n'était pas dans cette étape de sa vie, elle était perdue. Et j'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui. Si tu es perdu, si tu as perdu un repère, ou deux, ou quatre, ou cinq, et si t'en peux plus, j'aimerais te dire, Marie, elle avait aussi perdu une figure paternelle, mais au travers de son adoration, elle découvre un nouveau repère. Il y a 20 ans de ça, j'ai perdu un repère paternel. J'ai perdu mon père. En fait, mes parents, ils étaient séparés alors que j'étais bébé. Et il faut savoir que je le voyais que épisodiquement, juste ponctuellement comme ça, de temps en temps. Je ne le connaissais pas en profondeur. Et il ne me connaissait pas non plus. Mais alors que j'avais 20 ans, alors que je me disais, bientôt ce sera certainement le mariage, bientôt je devrais prendre des choix importants dans ma vie, mais avant de regarder devant, je voulais fermer certaines portes sombres, je voulais avoir des éclaircissements sur mon passé. Et j'ai pris la décision de demander quelque chose. Alors qu'on était réunis chez ma mère, il y avait une cellule de prière, il y avait une réunion de prière, il y avait des mamans qui étaient dans la maison, et je me rappelle qu'elles m'ont demandé quel est mon sujet de prière actuel. Je vais leur donner un sujet de prière pour qu'elles prient, pour qu'on prie tous ensemble, et j'ai surpris tout le monde en disant, je veux avoir une relation père-fils. On a prié ce jour-là, j'étais déterminé, je crois que j'ai reçu ça de Dieu. Le lendemain, j'ai appelé ma cousine. J'ai appelé et j'ai dit, tu sais quoi, je vais venir vous visiter. En fait, mon plan était celui-ci. Comme je n'avais pas le cran d'appeler mon père, j'ai appelé chez mon oncle, qui le voyait souvent. Et mon truc, c'était, je vais revenir dans son cercle progressivement. Il ne faut pas trop demander non plus. Donc je me suis dit, je vais d'abord me familiariser avec mes cousins, cousines, les revoir. Ça faisait 10 ans que je ne les avais pas vus. Ce jour-là arrive, j'arrive et on passe un bon moment. Je revois les têtes, je revois les cousins, cousines. Ça faisait longtemps, c'est vraiment de la joie qui remplit mon cœur. Je revois mon oncle, ma tante, c'est trop bien. Je vais dans la chambre avec ma cousine et on chante, on parle, on profite du moment. Une heure ne s'est pas passée. Mon oncle reçoit un coup de fil. Il raccroche, il vient dans la chambre où j'étais. Il ouvre la porte. Et il dit mon prénom. Et il dit le prénom de mon père. Et dans ses yeux, j'ai su qu'il y avait quelque chose qui était bizarre. Et il m'a dit, ton père est mort. Et ensuite, la famille entière s'est effondrée. Mais avec toute la famille, mes espoirs d'avoir des réponses à des questions, j'étais complètement perdu. En fait, j'avais perdu mes repères. Pourtant, j'avais fait un plan, il était cohérent. Ça provoquait de la joie dans la vie de mon oncle, ma tante, de me revoir après toutes ces années. Et j'avais un plan qui était cohérent, j'allais y aller, j'avais prévu d'y aller, j'avais même demandé la prière pour ça. Mais mon plan, il avait échoué. Je me rappelle ce jour-là, la première chose que j'ai sortie de ma bouche, c'est « je lui ai pas dit que je l'aimais ». Même moi, je ne me rendais pas compte en réalité au fond de moi
Depuis le moment où Dieu avait déposé dans mon cœur le désir d'avoir cette relation père-fils, c'est parce que Dieu avait mis une mesure d'amour dans mon cœur pour mon père. J'aimais mon père, même si je ne le connaissais pas bien. Ce jour-là, je suis rentré chez moi, j'ai enlacé ma mère. Ce soir-là, j'ai dormi avec ma mère. Et puis, je me rappelle être allé dans ma chambre. Je me suis mis à prier. Et alors que je priais, je répandais mon cœur au Seigneur, un peu comme Marie, au pied de Jésus. Et j'étais là, je disais, Seigneur, c'est difficile, c'est douloureux, j'en peux plus. Voilà ce que je voulais faire, je ne comprends pas, il n'y a aucun sens. J'arrive pas à relier les points. J'ai confiance en toi, mais là, je ne comprends pas. Et là, il y a quelque chose de surnaturel qui s'est produit. Ésaïe, chapitre 9, verset 6, revient dans mon esprit tout de suite. Et ça dit ceci, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Attends 30 secondes. Père éternel. Attends, on parle bien de Jésus là. C'est bien une prophétie écrite de la main d'Ésaïe, du prophète, qui parle de Jésus comme étant le Père éternel. Et instantanément, j'ai tilté. En fait, Dieu me rappelait quelque chose que je n'avais jamais vraiment réalisé jusqu'à ce moment-là. Dans ma détresse et dans ma perte de repère, Dieu me disait, hey, je sais que c'est dur, mais ne t'inquiète pas, je suis ton père et je suis ton repère. On va chanter un chant ensemble. Et ce chant, j'aimerais que toutes les personnes qui ont perdu dans votre vie, vous avez perdu des choses sur lesquelles vous vouliez vous appuyer. Et tout d'un coup, ces choses-là vous ont été ôtées. En fait, vous perdez pied. Vous ne savez pas où vous reposer. J'aimerais vous dire, rassurez-vous. Vous avez toujours un père. Vous avez toujours un repère. Vous avez toujours un père. Alléluia. Alléluia. Réjouissons-nous. Essuie tes larmes. Jésus est ton père. Et un père qui ne peut pas mourir, c'est le Père éternel. Mon Père a créé l'univers. Mon Père, tu m'as mis dans sa main. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui avoue. Si je perds pied, c'est bien lui qui m'oppose. Mon Père a créé l'univers. Mon Père, tu m'as mis dans sa main. Quand j'ai peur, c'est bien lui qui a cours. Si je perds pied, c'est bien lui qui m'en. Parce qu'il m'aime, il m'aime. Je suis le fils du Dieu vivant, créateur de l'univers. Il m'aime, il m'aime. Je suis le fils du Dieu vivant, créateur de l'univers.
Alléluia. J'aimerais vous laisser avec quelque chose, mais juste vous rappeler quelque chose. Asseyez-vous juste un instant. Je ne veux pas que vous sortiez d'ici en oubliant quelque chose de très important. Vous savez, Jésus s'est présenté, s'est manifesté comme étant notre Père et même notre repère. Et alors que nous développons notre relation avec lui, il veut et il désire que nous puissions laisser cette dimension de lui grandir en nous afin de pouvoir être des repères pour notre entourage. Vous pouvez être un repère pour votre entourage. Il se peut que vous perdiez pied. Il y a des repères qui sont... Voilà. Et que les gens autour de vous, en fait, perdent pied. Ils perdent leur repère. Mais si vous, vous êtes fermement ancré en Jésus, votre repère, vous serez vous-même un repère qui sera une bénédiction pour votre entourage. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Écoutez ça. Alors que j'étais sur Internet, j'ai revu quelque chose qui m'a bouleversé et je voudrais le partager avec vous aujourd'hui. Il s'agit de l'histoire d'un athlète qui s'appelle Derek Redmond. Certainement, vous avez déjà vu cette vidéo, elle est très célèbre. Mais c'est l'histoire d'un athlète britannique qui courait en 92 dans les Jeux Olympiques de Barcelone. Et alors qu'il courait, qu'il s'était entraîné avec son père, qui était son plus grand fan, quelque chose d'inattendu s'est produit. Tout avait bien commencé. Il a commencé la course. Beaucoup de personnes disaient qu'il allait gagner. Il était dans les favoris. Mais alors qu'il y avait à peine peut-être une vingtaine de secondes, il a eu une déchirure musculaire qui anéantit tous ses plans et tous ses projets. Mais ce qu'il vivait, la personne pouvait le comprendre vraiment, si ce n'est celui qui s'était entraîné avec lui, son père. Et ce qui se passe, alors que lui reprend la course, alors qu'il se met à essayer de terminer sa course comme il peut, malgré la souffrance et la douleur, il y a son père qui saute des gradins et qui évince tout le monde et qui dit « Laissez-moi tranquille, c'est mon fils. » Et à ce moment-là, il regarde son seul repère, celui qu'il comprend, celui qui comprend sa tristesse. C'est seulement cette personne-là qui le comprenait vraiment et qui pouvait le recueillir dans ce temps de souffrance et d'immense désarroi. Il a été son protecteur. Il a viré tous ceux qui voulaient l'empêcher à son fils d'accomplir son rêve, franchir cette ligne d'arrivée pour laquelle il s'était tant préparé. Il ne veut pas comprendre, le gars, il ne veut pas comprendre. Il a fini par marcher jusqu'à la ligne d'arrivée. Et vous savez ce qui est magnifique? C'est que véritablement, le gars qui a gagné cette course, c'est Derek Redmond et son père. Vous savez pourquoi? Personne vraiment se souvient de qui a gagné cette course. Parce que à la fin de ça, là, tout le monde ne parlait que de Derek Redmond et de son père qui avait franchi cette ligne d'arrivée. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que peut-être que vous êtes dans les gradins et vous voyez peut-être votre fils, votre fille tourner mal, souffrir dans sa situation. Et vous vous dites, peut-être que mon rôle est fini, il est déjà parti du nid, je ne peux plus rien faire. Non, c'est faux. En fait, quand il va être ou elle va être dans cette situation difficile, à cause de la relation que vous avez avec cette personne, à cause de l'amour inconditionnel que vous allez manifester avec cette personne,
Cette personne, quand elle lèvera la tête, il faut qu'elle vous voie vous. Quand elle lèvera la tête, il faudra qu'elle voie un père, un repère, et qu'elle se dise, je vais y arriver. Je vais franchir cette ligne d'une manière ou d'une autre, parce que mes yeux se sont posés sur mon repère. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur dans ce lieu ? Merci Seigneur pour ce que tu fais. Amen. Les péchés du passé effacés, dépassés. Je ne suis qu'humain et imparfait, mais Dieu, ton amour est si parfait, plus que parfait. Avec toi tout est beau. Qui remplit les vases vides et il fait toutes choses nouvelles. Hey, je perçois ta voix, tu traces ma voie. Jamais je n'effacerai ton nom de mon cœur qui bat. À présent je sais j'en ai assez de conjuguer mes rêves au passé. Dépassé, je ne suis qu'un être imparfait, mais tes plans pour moi sont disparaits, plus que parfait. Avec toi tout est nouveau. Cette vidéo t'a parlé ? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.